Madame, monsieur, bonsoir. Les larmes pour les Calaisiens. Ils ont échoué en finale de la Coupe de France, 2-1 contre Nantes au Stade de France. Mais ils se sont inclinés en héros. Ce soir, c'est bien sûr la déception dans tout le nord de la France, surtout à Calais, où l'on retrouve Anne Mourgue en direct. Anne, ambiance de fête, visiblement, malgré la défaite et malgré la déception. Hein. Ouais. Vous l'imaginez bien, Laurence? Une petite déception quand même ici à Calais, même s'il y a encore beaucoup de supporters derrière moi, qu'ils crient, qu'ils chantent, ils essaient de faire la fête malgré tout, mais quand même, le cœur n'y est plus vraiment, tout le monde s'attendait à ce que Calais gagne, et c'est vrai qu'à la fin du coup de sifflet final, à la fin du match, une espèce de silence s'est abattue sur toute la ville comme une chape de plomb, et tout de suite je vous propose d'écouter les premières réactions des supporters, et il faut dire un peu déçus. Pas trop déçus. Bon, si, quand même, il faut le dire, hein, mais le cœur y est, tu sens. On reviendra, on les aura, on va les manger, les canaris, pour chaque coup. C'est vraiment bête qu'on a perdu. Mais on est fiers d'eux quand même. On pensait qu'on allait gagner, quoi. On est fiers d'eux. On est fiers d'eux quand même, parce voilà. Qu'on a gagné pas mal de matchs. On s'est bien amusé et je pense que toute la France, l'année prochaine et les jours à suivre, se rappellera de la ville de Calais. Est-ce que ça s'est joué à peu de choses sur un penalty? À la fin, le Calaisien loupe un peu sa frappe, ça s'est joué à peu de choses, tant pis. Mais bon, on est un peu quand même satisfait que Calais soit arrivé en finale, hein. C'est déjà une bonne chose. C'est dommage quand même, mais bon, la fête, elle sera là quand même ce soir. Alors, bien sûr, comme le dit ce supporter, ce soir on va faire la fête à Calais, ce soir on va chanter, ce soir on va danser, mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de monde dans les rues maintenant. La population, c'est... Vous voyez, ils ne sont pas d'accord derrière moi, mais c'est vrai que pendant le match, il y avait des milliers de personnes pour écouter, pour suivre le match dans la rue, dans les bistrots. La plupart des gens sont rentrés chez eux, la foule s'est un petit peu éparpillée. Et c'est vrai que la fête ne sera pas vraiment celle qu'on avait espérée ici à Calais. Mais les Calaisiens sont reconnaissants. Merci, Anne Mourgue.